Où sommes-nous, Monsieur Reiss? Alors ici, Monsieur Gard, nous sommes devant la mairie de Niederbronn-les-Bains. Et pour moi, ça a été évidemment le début d'une belle aventure qui a commencé le 18 juin 1995, où, à la surprise générale, j'ai été élu maire de Niederbronn-les-Bains. Trois listes en présence et on a gagné au premier tour avec une équipe dynamique. Et j'étais maire donc pendant 19 ans. Et je crois que pendant ces années, on a vraiment réussi à redonner un cachet thermal à Niederbronn-les-Bains. La fonction de maire est l'élu préféré des Français. Pourquoi, selon vous? La première réponse est évidemment la proximité, parce qu'on est à portée d'engueulade, comme on dit. Et le fait de pouvoir échanger avec les habitants de la commune dont on est maire, quasi quotidiennement, est quand même très intéressante. Et ce qui fait que on peut prendre le pouls de la population, on peut entendre leurs souhaits, on peut voir comment améliorer leur qualité de vie. Et en tant que maire, évidemment, on a ce pouvoir-là de mettre en place des projets. Alors Niederbronn-les-Bains, par exemple, pour moi, ça a été un réel bonheur de faire un projet urbain. Premier mandat, on l'a imaginé. Le deuxième mandat, on l'a réalisé. Et ce projet urbain s'appelle ici le murmure romain. On a fait en sorte que les gens puissent toucher quasiment l'eau tous les jours. Donc on a mis des fontaines au centre-ville, on a mis la rivière en valeur. Alors Niederbronn-les-Bains est une ville d'eau, donc nous avons d'abord l'établissement thermal qui est là depuis très très longtemps. Et grâce à lui d'ailleurs nous avons un casino qui est évidemment un établissement important pour la ville. Ensuite, on a l'eau celtique, qui est une eau minérale naturelle, qui n'a rien à voir avec l'eau thermale, qui est aussi aujourd'hui commercialisée et connue bien au-delà de l'Alsace. Et ensuite, on a une très belle piscine qui s'appelle l'espace des Aqualies, où grands et petits peuvent venir s'ébattre dans les différents bassins, dont l'un en plein air, ce qui est assez exceptionnel. Puis ensuite, Niederbronn-les-Bains, évidemment, a connu sa notoriété à travers les sœurs du couvent. Les sœurs de Niederbronn-les-Bains sont connues dans le monde entier. Nous sommes ici le berceau de la société de Dietrich, donc il y a une fonderie encore à Niederbronn-les-Bains avec plus de 200 emplois. Et ensuite, nous sommes aussi un lieu d'histoire avec un musée, une maison des congrès et un cimetière militaire avec plus de 15 000 tombes. Et ça aussi, ça fait partie de la notoriété de Niederbronn-les-Bains. Et ce qui fait que ça nous a permis de développer le tourisme et tout ça donc avec un bel office de tourisme que nous avons mis en place qui est juste en face de nous et qui aujourd'hui évidemment fait la fierté des Niederbronnois. Vous avez exercé plusieurs fonctions d'élu, maire, vice-président de communauté de communes, conseiller départemental, député. Quelle est la fonction la plus intéressante? Alors je ne choisirai pas parce que je crois que ce qui est important c'est que on puisse être là où les gens vous attendent et répondre à leurs besoins. Et je dirais, dans chaque cas, j'ai vraiment des projets emblématiques qui me tiennent à cœur. Et par exemple, en tant que conseiller général, où j'étais de 1998 à 2002, ma grande fierté, c'est d'avoir pu mettre tous les scolaires dans le train. Autrefois, on avait des autobus qui étaient sur la Nationale 62, qui était une route très accidentogène. Et donc avec des trains qui étaient dans une ligne quasiment parallèle à la route et des trains qui étaient vides. Et donc grâce à l'aide de mon président à l'époque, Philippe Richert, avec le président du conseil d'Alsace, Adrien Zeller, nous avons réussi à mettre les scolaires dans le train. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir une ligne de train qui fonctionne, qui est aussi importante pour les curistes qui viennent à Niederbronn-les-Bains. Et donc je crois que ce sont des projets qui vous marquent. Et en tant que député, évidemment, j'ai aussi un certain nombre de combats que j'ai menés à Paris, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Évoquons le cumul des mandats. Vous avez été député et maire, et parfois vous avez exercé la fonction en même temps. Qu'est-ce que vous pensez de ce cumul des mandats? Est-ce que c'est bien d'avoir du local et du national? Je ne sais pas si la solution qui a été adoptée a été la bonne, mais enfin, en tout cas, c'est l'Assemblée qui l'a voté, la fin du cumul, sous le quinquennat à Hollande. Et ensuite, ça a été mis en place à partir de 2017. À titre personnel, j'ai été heureux d'être député-maire, parce que je crois que le jour où, à l'Assemblée nationale, on n'aura plus que des élus nationaux
qui se préoccupe exclusivement de ce qui se passe au Palais Bourbon, on aura perdu ce rapport avec le terrain qui, pour moi, est essentiel. Un député, il est élu d'une circonscription et je crois qu'à partir de là, il doit être aussi proche des gens, avec les associations, les entreprises, les communes, et c'est son travail au quotidien. Donc moi, je n'ai jamais regretté ça. Maintenant, j'avoue que lorsque, en 2014, j'ai décidé de m'arrêter en tant que maire, que c'était plus confortable d'être seulement député entre 2014 et aujourd'hui. Mais je suis plutôt pour un cumul, peut-être pas tout le temps, mais et selon la taille des communes, je crois qu'il est important d'avoir des élus, à la fois élus de proximité de terrain et de faire la loi et de contrôler l'action du gouvernement à Paris. Où sommes-nous, monsieur le député ? Alors ici, nous sommes dans un endroit très sympathique qui est un jardinet d'une résidence pour seniors et qui se trouve à côté d'un EHPAD. Et c'est un endroit tout à fait symbolique à Niederbronn-les-Bains dans la mesure où c'est un nouveau concept en complément de l'EHPAD pour accueillir des personnes qui ne peuvent plus rester dans leur domicile et qui sont donc accueillis ici avec tous les services, ascenseurs, volets automatiques, une cuisine, des lieux de rendez-vous, des endroits pour faire des petites fêtes en famille. Et c'est un nouveau concept qui se développe. Les gens sont loin de chez eux, peut-être, parfois, mais d'un autre côté, ils ont à côté de quoi acheter un journal, de quoi faire le marché, d'aller dans les commerces, de boire un café à l'extérieur ou à l'intérieur. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait sympathique. Et nous sommes ici donc devant un ancien couvent, c'était le couvent Saint-Joseph, qui est devenu aujourd'hui l'EHPAD Mère Alphonse-Marie, puisque c'était la fondatrice de ce couvent. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu une résidence, là aussi, pour des personnes âgées. EHPAD, évidemment, avec tout ce service pour les sœurs qui, après avoir servi dans le monde entier, aiment bien revenir du côté de la maison mère pour leur fin de mission. Quand j'ai été jeune maire de Niederbronn-les-Bains, j'ai commencé à organiser des anniversaires dans cet EHPAD. J'ai vu que les sœurs savaient s'amuser de manière assez phénoménale, parce que bon, les sœurs, là aussi, il y a 20 ans, elles avaient 20 ans de moins, il faut pas mal dire, et qu'il n'y a pas de renouvellement de génération ici. Mais on a fêté des Noëls, des Pâques, ce qui est un peu normal, mais aussi des carnavals assez fantastiques dans ces lieux-là, donc c'est très bien. J'aimerais avoir votre sentiment sur un dernier livre qui est sorti récemment, qui s'intitule « Les Fossoyeurs » et qui révèle la maltraitance dans les EHPAD. Alors je pense que c'est réellement un sujet dont on parle enfin, puisqu'on a longtemps parlé, de point de vue politique, de la dépendance, et en disant « voilà, c'est un nouveau risque qu'il faut prendre en considération ». La dépendance est effectivement un problème, puisqu'on vit de plus en plus vieux, on gagne des années. Mais d'un autre côté, il faut dire que dans ces établissements-là, le personnel est un gros poste de dépense et que sans doute, il n'y a pas assez de personnel. Et donc, ce qui fait que des soins minutés par jour, avec même pas le temps de dire bonjour, décharger un petit peu, il existe sans doute des établissements qui sont allés trop loin et on ne peut pas accepter cela. Et donc on a eu beaucoup de familles, ici aussi en Alsace, il faut le dire, qui se plaignaient de la façon dont la maman ou le papa étaient traités ou maltraités. Mais je crois aussi que dans tous ces établissements, on a introduit le concept de bien-traitance. C'est-à-dire qu'on accorde du temps et ça fait partie des plannings aujourd'hui. Et donc, je pense là aussi, il ne faut pas généraliser. Mais le fait d'avoir eu cette
connaissance et ce livre qui a pointé du doigt les endroits qui n'allaient pas, va sans doute bouleverser le fonctionnement dans les EHPAD, et c'est tant mieux pour nos anciens. Ici, nous sommes devant le cimetière militaire allemand, avec plus de 15 000 tombes de soldats, principalement tombés pendant la guerre de 39-45, et à côté du site également du Centre international Albert Schweitzer, qui est un centre de rencontre pour les jeunesses d'Europe, principalement des Allemands, des Français, mais également des gens qui viennent d'Espagne, d'Italie, des pays de l'Est, qui se rencontrent ici, souvent pendant une semaine, avec comme thème la paix par-dessus les tombes. Ce site devait avoir comme vocation uniquement celle d'être historique. Elle nous ramène malheureusement aujourd'hui à l'actualité. C'est vrai que lorsqu'on est sur un tel site et on voit les dégâts que peut faire une guerre, et il est important en fait d'avoir aussi ce devoir de mémoire avec les jeunes ici à côté du site, mais aussi avec les anciens. Et moi je me souviens de moments très forts ici dans ce cimetière, puisque quand j'étais jeune maire de Niederbronn-les-Bains, à ce moment-là Theo Weigel était ministre des Finances en Allemagne, comme son frère est enterré ici. Il était venu ici au cimetière et nous avons pu ensemble nous recueillir devant la tombe de son frère. Donc tous les ans, il y a ici la commémoration du jour de deuil allemand, du Volkstrauertag. Et ici, aujourd'hui, la spécificité, c'est que ce cimetière, il a vu le jour au moment de l'opération Nordwind. Mais ensuite, il a été vraiment viabiliser et fait en sorte que ce soit un lieu de rencontre par le Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, qui est un peu l'équivalent du souvenir français en Allemagne, et qui aujourd'hui gère le site. Et ce sont donc des gens qui ont investi ici, et il y a une centaine de lits pour permettre des rencontres entre des jeunes des pays européens. Et le fait de l'appeler Albert Schweitzer, ça veut dire que sa vocation première est de promouvoir la paix. Nous savons que cette paix, elle est fragile. Lorsqu'on est venu sur ce site, quand on voit l'âge de ces soldats, de ces jeunes soldats qui ont 18 ans, 20 ans, et qui ont été donc des victimes innocentes pendant la guerre, ça incite les gens à réfléchir. Et ici, on a souvent des jeunes Polonais, des jeunes Roumains, des jeunes des pays baltes qui viennent faire un service volontaire européen ici, Niederbronn-les-Bains et aux environs. Parfois, ils vont sur d'autres sites français pour donner une année dans leur jeune carrière et faire un service au bénéfice de gens qui sont dans le besoin. Alors, ça peut être dans des lieux culturels, ça peut être aussi dans des maisons de retraite, ça peut être dans des lieux historiques, de la rénovation, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien et dont la plaque tournante est Niederbronn-les-Bains. Question habituelle, où sommes-nous, monsieur le député ? Alors ici, nous sommes dans un endroit qui, a priori, n'a rien à voir avec la politique. Et pourtant, donc nous sommes au stade de foot de l'AS Gundershoffen, qui m'a permis, dans mes jeunes années, à briller dans les cages ici. Et donc j'ai commencé comme cadet deuxième année, et je dois faire dans les 27-28 ans à l'AS Gundershoffen. On a des saisons exceptionnelles et on a fait ici sur ce stade des matchs avec plus de 2000 spectateurs. C'est vrai, même en division 2, je me souviens le premier grand match c'était contre Schirein en championnat ici, on jouait pour la première place.
Et ensuite, on a fait des matchs donc au niveau de la division d'honneur et du CF4. Et on a fait quelques exploits dans les coupes, Coupe d'Alsace, Coupe de France. Et c'est des choses qui restent. Et aujourd'hui encore, j'ai évidemment beaucoup, beaucoup d'amis dans le monde du football. Et pendant toute ma carrière, par exemple, j'ai toujours été chez Leonhard Specht à Valbourg quand il organisait ses stages pour les jeunes, rien que pour encourager les jeunes et pour leur donner envie de persévérer. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que le football a été quand même déterminant dans ma carrière politique. Parce que je suis devenu maire de Niederbronn-les-Bains parce que ce sont les Niederbronnois qui m'ont élu. Mais pour aller ensuite au Conseil général ou à la députation, en fait, tous les gens de la circonscription me connaissaient de par le football. Monsieur le député, sur quel site sommes-nous ? Alors ici, nous sommes au Collège Charles Munch, qui représente pour moi une grande partie de ma vie professionnelle, puisque je suis arrivé en jeune prof en 1974. Et lorsque je suis devenu maire en 1995, j'ai pris un mi-temps. Et ensuite, à partir de 2002, évidemment, j'ai dû quitter complètement l'éducation nationale pour me consacrer entièrement à ma fonction de député-maire. Et donc, je me qualifie comme étant un enseignant heureux, puisque j'étais professeur de mathématiques pendant toutes ces années. Et après, à l'Assemblée nationale, j'ai évidemment beaucoup défendu la cause des écoles, des collèges, des lycées et même de l'université. Dans l'éducation nationale, nous avons effectivement de gros soucis. À titre personnel, je pense que nos enseignants, quels qu'ils soient, manquent de formation scientifique. Et d'ailleurs, on a eu encore dernièrement une polémique sur le sujet pour laquelle j'ai interpellé M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse et du sport. Mais pour moi, le fait d'avoir été au collège avec les enfants était toujours quelque chose de très puissant, de formateur pour tout le monde. En fait, d'avoir été prof principal dans un collège et d'avoir à orienter des élèves de 4e et 3e qui étaient parfois en échec scolaire, était quelque chose qui a déterminé aussi ensuite mon engagement politique, puisque je me suis beaucoup battu pour que soit reconnu, par exemple, l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Monsieur le ministre, en cette année du 400e anniversaire de la naissance de Molière, vous faites honneur à ce monument de la langue française. En effet, votre dernière déclaration sur la réforme du lycée et les mathématiques est une véritable tartufferie. Et votre réponse à M. Clément en est la preuve. Monsieur le ministre, à l'heure du bilan, c'est toujours en marche, mais c'est en marche arrière. Ma question est simple, allez-vous réellement revoir votre copie ou est-ce une manœuvre électoraliste à quelques semaines de l'élection présidentielle ? Merci, la parole est à M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, M. le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Frédéric Reiss. Maintes fois. Ce soir, je m'exprime pour la dernière fois à cette tribune. Permettez-moi, avec moins de solennité que le président Ferrand cet après-midi, de dire combien j'ai été honoré et fier de servir la République dans cette belle maison Assemblée nationale. Monsieur le président de la Commission des affaires culturelles, cher Bruno Studer, je voudrais aussi avoir une pensée émue pour Jean-Michel Dubernard, qui était mon premier président de la Commission des affaires sociales. Il n'y avait pas de commission des affaires culturelles en 2002. Celui que tout le monde appelait affectueusement Max m'a permis d'être rapporteur d'une grande loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, la loi du 23 avril 2005. Le ministre de l'Éducation nationale était François Fillon et c'est là que nous avons imaginé le socle commun de connaissances et de compétences toujours en vigueur aujourd'hui. En cette même année 2005, à l'occasion du centenaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État, sous la houlette du président Jean-Louis Debray, j'ai le souvenir d'un débat magistral sur la laïcité où tous les députés qui le souhaitaient ont pu s'exprimer sans contrainte de temps. Un vrai bonheur. Et je conclurai avec les mots du poète, « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, la liberté. » Je vous remercie. Merci, cher Frédéric Reiss. Grand merci pour ce travail durant de longues années.
aujourd'hui, nous sommes dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe. Et pour moi, ça revêt une importance particulière dans la mesure où je fais partie de l'équipe de France des parlementaires au Conseil de l'Europe. Et ce Conseil de l'Europe, il est né en 1949, comme moi. Alors, nous sommes une équipe de 18 députés, 12 sénateurs, et nous représentons donc la France, ici, au sein de ce Palais de l'Europe, pour parler principalement des droits de l'homme. Alors, c'est vrai que ce dernier mois, nous avons vécu des moments très forts, et ça me touche particulièrement parce que j'ai été pendant très longtemps président du groupe d'amitié France-Moldavie à Paris. Et on sait qu'aujourd'hui, la Moldavie, qui a une région qui s'appelle la Transnistrie, qui est occupée par les Russes, est aujourd'hui très fragile avec le conflit en Ukraine. Alors je pense que malheureusement, avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, on se rend compte qu'on n'a pas su retenir les leçons de l'histoire. Et lorsqu'on a donc la Moldavie avec la Transnistrie, qui est un conflit gelé, on avait identifié un certain nombre de conflits gelés ici au Conseil de l'Europe. Et je me souviens quand Jean-Claude Mignon était le président français de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il avait essayé de faire avancer les dossiers de ces conflits gelés en sachant que derrière, une étincelle peut à tout moment déclencher des événements graves. Et on le voit aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas été assez prudents. J'avoue être de ceux qui, au moment de l'annexion de la Crimée, avaient souhaité que les Russes restent autour de la table pour qu'on puisse discuter avec eux. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était peine perdue et que c'était sans doute une erreur. Nous sommes ici dans le bâtiment historique du Parlement européen. Ici ont pris place des personnalités comme Robert Schuman, Simone Veil, des présidents comme De Gaulle ou Adenauer ont pénétré ces lieux. Est-ce que le pouvoir de l'Europe a-t-il progressé, selon vous, ces 20 dernières années ? Je l'espère, parce que depuis que je fais de la politique, je me suis toujours dit profondément européen. Je pense que dans des situations difficiles, comme nous connaissons au niveau, par exemple, de tous les problèmes sociaux, la crise sanitaire devrait nous faire grandir. La crise en Ukraine devrait sans doute poser avec beaucoup plus d'acuité le problème de la défense européenne. Et donc on voit que les crises ont parfois du bon, dans la mesure où on se pose après les bonnes questions. Et j'ose espérer que demain, nous aurons plus d'Europe et mieux d'Europe. Alors ici, nous sommes sur le site Alstom de Reichshoffen. Et ce site a pour moi une importance particulière dans la mesure où c'était un de mes premiers combats quand je suis devenu maire en 1995. Le site a été vendu à Alstom. Donc de De Dietrich Ferroviaire, on est devenu Alstom DDF. Et en 2022, et on est encore une fois à la croisée des chemins dans la mesure où le site va être vendu aux Espagnols de CAF, donc c'est pour ça que ce site est très important pour moi. Quel est le lien d'un député avec les entreprises de sa circonscription et commençons par celle-ci, Alstom, anciennement de Dietrich. C'est évidemment un grand pourvoyeur d'emplois, puisque ici sur ce site j'ai connu plus de 1000 personnes. Aujourd'hui on doit être à peu près 800 et donc c'est évidemment important, non seulement pour Reichshoffen, mais pour tout le secteur Alsace-Nord. Et ensuite, c'est aussi un site de formation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il y avait un lycée professionnel privé qui, entre-temps, est devenu un CFAI, donc un centre de formation d'apprentis pour l'industrie. Et ça aussi, c'est pour la pérennité du site, former donc les travailleurs de demain est quelque chose aussi de fondamental. Donc c'est pour ça que je suis évidemment très attentif à ce qui se passe dans l'ensemble des entreprises de la circonscription. Il est évident que quand on devient député d'une circonscription comme celle de Wissembourg, on fait, dans un premier temps, beaucoup de découvertes.
Et moi, par exemple, des découvertes que j'ai eues et des choses que je ne connaissais pas, c'était les entreprises le long du Rhin. Et pour en citer une parmi d'autres, mais Roméas à Lauterbourg est quelque chose de très important parce qu'on est dans le domaine du chimique, avec évidemment des lois Seveso et autres qui s'appliquaient sur le terrain. Et donc chaque projet devait faire partie d'une attention particulière. Nous avons aussi, par exemple, à Bainheim, Roquette, qui est aujourd'hui dans l'agroalimentaire, une usine emblématique dans la mesure où là-bas, on utilise du chauffage au bois, on utilise de la géothermie profonde, parce qu'ils étaient un des plus gros consommateurs de gaz. Bon, ils consomment toujours du gaz, mais ils sont aussi dans le renouvelable. Et donc, ce sont des choses où il faut être attentif. Il y a Günther Tulz à Sulz, il y a des entreprises dans les zones à Wissembourg. Nous avons beaucoup d'artisans, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on est aux côtés des artisans parce qu'eux aussi ont des problèmes spécifiques au niveau de la formation, au niveau de la transmission. Et donc, tout ça, évidemment, ça nous intéresse puisque aussi au niveau de certaines lois que nous votons, les entreprises sont directement concernées. Si vous le permettez, je vais vous montrer une photo et je vous demanderai de la commenter. Qui sont ces personnes sur cette image ? Alors ça, c'est une photo que je n'ai plus vue depuis très très longtemps. J'y reconnais mon grand-père, mon père, mes oncles. Et c'est vrai que sur ce site, je suis presque chez moi puisque mon père a fait sa carrière ici, mon grand-père a fait sa carrière ici. Donc je suis fils et petit-fils de Schmelzer, comme on dit, puisque ici on allait à la Schmelz. Et quand j'étais tout petit, je me souviens très bien que la normalité, c'était que le papa travaille à la Schmelz. Là, nous sommes sur un site industriel le long du Rhin, puisque quand je suis arrivé dans la circonscription, l'industrie chimique était pour moi une nouveauté. Et ici, c'est connu sous le nom de Roménas, qui entre-temps est devenu Dow, avec un site également équivalent du côté de Drusenheim. Et c'était vraiment des préoccupations tout à fait particulières, dans la mesure où ici, tout ce qui est norme, normes de sécurité, normes Seveso, risques technologiques, tout ça c'est en prendre en compte. Et moi j'ai découvert ici des entreprises très responsables avec, je veux dire, derrière une grande notoriété, avec aussi quelques soucis concernant les différentes prescriptions à observer. Et donc je crois que c'est important pour un député aussi d'être aux côtés des grandes entreprises qui sont sur son territoire. Nous sommes dans un territoire transfrontalier, c'est la plaine du Rhin. Et il y a ici, quoi qu'on en pense, du tourisme. Il y a un port de plaisance à Offendorf. Il y a aussi des zones de loisirs à Sels, à Lauterbourg, des campings. Et il y a évidemment aussi ici un port, le port de Lauterbourg, qui dépend du port autonome de Strasbourg, qui ne demande qu'à se développer. Avec à l'intersection à la fois l'utilisation de transports sur le Rhin, la route, l'autoroute, confronté à des problèmes aussi de wagons isolés, donc de livraison de marchandises. Et je crois que c'est ça, des choses tout à fait particulières et ce sont vraiment des choses qui vous marquent. On est ici à la frontière allemande. Comment s'est concrétisé les relations franco-allemandes ? Alors, nous sommes effectivement ici à Lauterbourg, où il y a également le siège de Pamina. Et donc, pour discuter évidemment avec nos voisins allemands, nous avons besoin de prendre en compte tout ce que vivent les frontaliers au quotidien. Donc, voir comment, d'un point de vue social, d'un point de vue retraite, d'un point de vue transport, comment on peut favoriser ces échanges quotidiens. Et j'ai eu la chance de travailler avec un collègue député allemand qui s'appelle Thomas Gebhardt, avec lequel nous avons fait des permanences transfrontalières où on écoutait à la fois des Français, des Allemands pour voir quelles étaient leurs préoccupations et pour essayer évidemment de trouver des solutions à leurs problèmes. Alors je me réjouis évidemment que nous ayons toiletté ce qu'on appelle les accords de l'Élysée
qui date du 22 janvier 1963. Et dans le cadre donc du 55e anniversaire, on a revu en fait tout cet engagement entre le Bundestag d'un côté, l'Assemblée nationale de l'autre, et pour voir comment on peut, dans l'avenir, faciliter cette collaboration et cette coopération franco-allemande. Ici, évidemment, Soufflenheim, c'est ville de potiers. C'est la poterie, c'est une histoire qui a démarré à l'âge de bronze, dans une histoire très très ancienne, mais qui a connu aussi ses problèmes, puisque les artisans potiers ont été longtemps spoliés dans la mesure où on achetait de la poterie d'Alsace qui était fabriquée en Chine. Et ça, évidemment, ça a été un problème que j'ai découvert avec les potiers de Betschdorf, puisque Betschdorf était dans ma circonscription d'origine, et que j'ai retrouvé ici. Et nous nous sommes battus pour que, effectivement, nous ayons cette reconnaissance du travail artisanal d'origine. Et le 11 mars 2022, nous avons la bonne surprise que cette IGP a été accordée aux potiers ici, et c'est une belle avancée. Où sommes-nous, Frédéric Reiss, et quelle est la personne à vos côtés ? Alors ici, nous sommes à Rittershoffen. Nous sommes sur le site de géothermie profonde et c'est un site évidemment qui s'est développé dans le cadre des énergies renouvelables, qui a été créé par la société Ecogy en 2011 avec Électricité de Strasbourg et qui a eu aujourd'hui, ce qui est intéressant, une application industrielle du côté de Beinheim avec l'usine Rocket. J'ai à mes côtés Paul Heinz qui est non seulement mon suppléant mais qui est également président de la communauté de communes de l'Outre-Forêt. Nous sommes là chez lui et il va nous parler aujourd'hui des projets de géothermie dans ce secteur. Alors, il faut savoir que le sous-sol de l'Alsace du Nord est extrêmement riche en eau géothermale. Ici à Rittershoffen, l'eau est puisée à 2500 mètres de profondeur. Elle est quand elle arrive à la surface, elle est encore à 177 degrés. Le potentiel de cette structure permettrait, dans l'absolu, de chauffer une ville de 100 000 habitants. Donc c'est vraiment une puissance de feu considérable. Nous avons pour ambition, au niveau de la communauté de communes de l'Outre-Forêt, de développer une zone d'activité à la sortie de Athènes vers l'autoroute. Une zone d'activité de 54 hectares qui, à terme, sera alimentée par la géothermie. Et on pourrait, à terme, créer 3500 emplois sur Athènes. Alors moi, j'ai envie de dire que dans cette circonscription, l'énergie a toujours été dans notre nature. Alors il faut le prendre au sens propre comme au sens figuré, parce que jusque dans les années 1970, où la dernière raffinerie de pétrole a fermé à Pechelbronn, nous avons développé ces énergies renouvelables aujourd'hui et ça nous donne de belles perspectives pour l'avenir. Et personnellement, je crois beaucoup à l'avenir des territoires, aux projets de territoire, et je trouve, et j'ai un regret, qu'en France, nous n'ayons pas une vraie décentralisation à ce niveau-là pour donner plus de pouvoir aux élus locaux. Avoir de bonnes relations avec le député de la circonscription, c'est forcément un atout à tous les niveaux. Hein. Donc déjà, on a un lien d'amitié qui est très fort, qu'on a su tisser au fil de ces différentes années. Et je pense qu'au niveau de notre force, à nous aujourd'hui, c'est justement ce binôme. Mon rôle au niveau local, où j'occupe finalement trois strates, si vous voulez, la strate communale, intercommunale et départementale, ben, c'est vraiment un ancrage très local. Et ça me permet à moi, d'une part, de faire remonter un certain nombre d'informations vers le député. Et puis inversement, quand on a des dossiers vraiment très lourds, où il faut une intervention, des fois même via des ministères, avoir un député proche des élus locaux, ben, c'est forcément une chance pour tout le territoire. Et la relation privilégiée qu'on a tous les deux, je dirais que cette relation, à la limite, il l'a avec l'ensemble des élus de la circonscription. Lorsqu'il s'agit d'ouvrir certaines portes, que ce soit au niveau de la préfecture, que ce soit au niveau d'un ministère, alors parfois d'ailleurs on n'arrive pas à les ouvrir, mais on arrive à mettre un pied dans la porte, et ensuite on l'ouvre la fois d'après. Mais c'est à force, disons, de faire la conjonction de tous ces efforts
qu'on arrive finalement à des bons résultats et on permet à offrir de la qualité de vie à nos habitants. Et ça, c'est notre but à tous. Où sommes-nous, monsieur le député ? Alors ici, nous sommes au chemin des Cimes, sur le banc de la commune de Clébourg. Et c'est une des dernières grandes réalisations touristiques de la circonscription. Est-ce que vous pourriez me commenter ce trophée ? Alors ici, nous avons un trophée, évidemment, qui a un rapport direct avec ce site, dans la mesure où, lorsque la BA 901 de Drachenbronn a fermé, la communauté de communes a travaillé à un programme de revitalisation du secteur et notamment on a cette réalisation touristique qui s'est faite ici. Alors c'était le vendredi 17 juillet 2015 où nous avons fermé malheureusement définitivement le site de Drachenbronn. Et pour moi en tant que député, évidemment, Drachenbronn était un endroit très important dans la mesure où il y avait près de 700 personnes qui y travaillaient et qu'on avait un centre de détection et de contrôle qui était un des plus importants d'Europe et avec lequel d'ailleurs la ville de Niederbronn-les-Bains était jumelée. Alors ici, nous sommes à un lieu emblématique de ma circonscription qui est l'hippodrome de Wissembourg. Et ça a été pour moi une des très belles découvertes quand je suis devenu député parce que les courses de la Pentecôte et les courses de Wissembourg en général sont vraiment une très très belle manifestation. Et il faut dire que sur cet hippodrome, nous avons un des meilleurs résultats au niveau des hippodromes ruraux en France. Et donc nous en sommes très fiers et grâce à la société de course du président Strasser, on a vraiment une notoriété qui dépasse bien loin la ville de Wissembourg et l'Alsace du Nord. C'est une ambiance très conviviale, on se sent très bien à Wissembourg, disons dans un endroit qui est très touristique, qui est aussi très industriel et je crois que c'est une chance que nous avons ici d'avoir cette polyvalence dans cette circonscription. Nous avons évoqué beaucoup de sujets pour votre circonscription. On n'a pas beaucoup abordé encore le sujet agricole. Quelle est l'importance de l'activité agricole dans votre circonscription ? Alors, il est évident que ici, c'est la filière cheval qui prime. Et nous avons dans la circonscription aussi d'autres endroits où il y a beaucoup d'élevage de chevaux ou d'endroits où il y a des courses rurales de chevaux encore. Je pense à Siegen ou à Surbourg. Et nous avons évidemment aussi beaucoup d'agriculteurs. Et ces agriculteurs font souvent leurs opérations portes ouvertes. Nous avons des jeunes agriculteurs qui sont très dynamiques. Nous avons d'ailleurs des champions de France de labour dans la circonscription. On en a régulièrement. Et ce qui prouve aussi que, évidemment, cette agriculture ici est une agriculture raisonnable, responsable, qui, je dirais, se développe normalement dans la ruralité. Un autre endroit qui vous tient à cœur, je crois, dans l'Outre-Forêt, c'est le fort de Chenambourg. De quoi s'agit-il ? Alors absolument, parce que nous sommes là sur un fort de la ligne Maginot. Et autour de la ligne Maginot, se sont constituées un certain nombre d'associations qui mettent en valeur ce patrimoine militaire. Et nous avons, au-delà du fort de Chenambourg, la casemate Riffel à Oberoderne ou le four à chaux à Lembach. Ce sont des associations très dynamiques, qui, avec le musée de l'Abri à Athènes, se sont regroupés pour, en fait, faire un tourisme de mémoire qui est très important sur la circonscription. Et le nombre de visiteurs à Chenambourg est de l'ordre de 45 000 par an. On doit en avoir 80 000 sur l'ensemble de la circonscription. Et donc derrière, on a parfois de grands visiteurs. J'ai eu l'honneur, par exemple, de faire visiter le fort de Chenambourg à Rémy Pflimlin, quand il était PDG de France Télévisions. Et nous avons eu d'autres visiteurs de marque. Je me souviens du ministre Mekachera qui était venu.
et qui était venu rencontrer les associations d'anciens combattants sur ces sites-là. Alors, autre activité importante dans la circonscription, c'est évidemment la cave de Clébourg, dont je suis ambassadeur en tant que député, et j'en suis très fier. Et je suis donc un député de la vigne et du vin, et les députés de la vigne et du vin se regroupent souvent à Paris pour défendre évidemment la profession viticole et vinicole. Et je dois dire que lorsque on est dans un endroit comme celui-là, c'est un endroit évidemment festif, touristique, avec également de nombreux sentiers à travers les vignes qui permettent de mettre en valeur ces paysages. Autre communauté de communes dans la circonscription, c'est la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn. Pouvez-vous nous la présenter en quelques mots ? Dans ma circonscription, on a accueilli beaucoup de patrimoine et de tradition. Et d'un point de vue culturel, la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn est très intéressante dans la mesure où il y a le musée 1870 à Wörth. Il y a aussi le musée français du pétrole à Merkwiller-Pechelbronn. Il y a la maison rurale de l'Outre-Forêt. Et tout ça géré par la communauté de communes qui, elle, a été aussi exemplaire en matière de développement durable avec une chaufferie bois et avec les thermes qu'ils ont juste à côté du siège de la communauté de communes. Alors, il est évident que si j'ai pu être heureux dans cette fonction de député pendant 20 ans, c'est que j'ai eu beaucoup de soutien familial par mon épouse d'abord, mes enfants, mes petits-enfants. Et je pense qu'en mettant un point final à cette carrière, en tant qu'ancien footballeur, je veux dire, je vais raccrocher définitivement les crampons de la politique. Et je vais aussi sans doute me consacrer à la dernière petite arrivée, une petite Eva qui a 3 ans et dont je suis le grand-père. Et je pense que le côté familial prendra le dessus sur tout le reste.